Lire. Oh, Zek et les haricots magiques, je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Zek et sa pauvre mère ne verront à manger. Alors Zek vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pipaï fofum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pipaï fidelidam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'en château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Oulala! Il fit donc face au géant qui semblait affamé. Il volou le petit Jack pour son petit déjeuner. Pipaï fofum, qu'est-ce que nous là? Niam niam niam. Pipaï fidelidam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie harpe dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pipaï fofum, un géant n'est jamais rassasié. Pipaï fidelidam, d'un garçon pour déjeuner. Miam miam miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant pour les harpes sur la tête, sa couronne se brisa. Pipaï fofum, Jack s'est libéré du méchant géant. Pipaï fidelidam, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs et la poule pondait, rejetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh! On vit alors en fait, et tout le monde est venu. Jack était très contente, car il était reconnu. Pipaï fofum, Jack et sa maman sont sauvés. Pipaï fidelidam, allez, c'est l'heure de goûter. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort d'ennui. Pour passer le temps et s'amuser, s'amuser, s'amuser. Cria oh, loup, à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. Allez, oh loup, un loup attaque mouton. Au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. Simple blague, simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Criait-il à l'heure de convenu. Oh,
des loups, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des jours sans farce pour casser les dents. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes, le lion dément, il a une idée. Une idée, une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, trop marrant. Il cria, oh, loup, à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, à l'aide. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. Un fois des blouses verront le villageois, mais Candy ne vit rien, il pointoir de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas une poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'en farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient hébernés deux fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, son troupeau, son troupeau, il vit en loup et en feu sous le choc. Je dois appeler au secours, se dit-il. Allez, au secours! Oh loup, mes pauvres moutons, au secours! Aide-moi, aide-moi, cette fois il est là. Il est là, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, à l'aide, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, son appel, son appel. Mais ils croirent à une autre blague, alors continuent leur affaire. Alors en ces jours, ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Le villageois vint pour l'écouter. Et il leur dit, pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yay! Il était une fois trois ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude! Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit trois bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe! Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud! Elle a goûté au bol de maman ours. Trop froid. Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Aou! Oh, regarde, c'est inconfortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est bloquée dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit.
manger dans mon bol. Dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Et il n'y a plus rien pour moi. Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Assis sur ma chaise, dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Et elle est toujours là. Et Boucle d'or se réveille et voit trois ours en colère. Pas si vite, dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment, vraiment désolée, lui dit Boucle d'or. Boucle d'or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Ha ha ha.